Reden sort du silence après l'accident mortel de son compagnon Kobaladu. Nous sommes des êtres humains. Connu notamment grâce à son tube d'Adi Chocolat, Kobaladu dort derrière de barreaux depuis quelques jours. Le célèbre rappeur a en effet été mis en examen et placé en détention provisoire le 14 septembre dernier pour homicide involontaire aggravé et blessure involontaire aggravée, suite à l'accident mortel survenu dans la nuit du 10 au 11 septembre à Créteil. Le rappeur est en effet impliqué dans un grave accident de la route qui a coûté la vie à l'un de ses meilleurs amis et collaborateurs, William Dobey. Ce dernier a été tué sur le coup lorsque le véhicule conduit par Kobaladu a percuté de plein fouet l'arrière d'un camion en stationnement sur une bretelle de sortie de station essence. Selon les premiers éléments du dossier, la berline de luxe se serait engagée en pleine vitesse sur cette bretelle située à Créteil. Légèrement blessé, Kobaladu était, selon les résultats de sa prise de sang, sous l'emprise des stupéfiants au moment du drame. Discrète depuis l'accident de son compagnon, la chanteuse Regen a pris la parole pour la première fois ce lundi sur les réseaux sociaux. Nous sommes des êtres humains malgré la notoriété. Vous balancez des atrocités depuis des jours sans que personne ne vous dise rien, a-t-elle écrit en story Instagram avant de passer un message à son célèbre compagnon. Nous, on sait, on te connaît, on sait qui tu es, on sait à quel point tu es huile. C'est tragique, j'aimerais que tout le monde voit qui tu es réellement, comme moi je le vois. Le combat que tu mènes en silence et le démon que tu tentes de vaincre. Tu as perdu ton frère et je sais à quel point tu es dévasté. Je serai toujours là, quoi qu'ils disent, je t'aime, a-t-elle